J'ai commencé le piano assez tôt, en fait, vers 3-4 ans, à l'école de piano Yamaha. Ensuite, j'ai continué parallèlement au lycée, à mes études. Et je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à 15 ans. Donc, j'ai fini ça en 2012. Et après, j'ai poursuivi dans une école en Allemagne. Déjà, il faut dire que les pianistes, on est très très chanceux parce qu'on a un répertoire qui est quasi infini. Contrairement à d'autres instrumentistes qui jouent presque toutes les œuvres de leur répertoire, nous, on est obligé de choisir selon son affinité, selon son caractère. Donc moi, j'ai choisi Bach et Debussy, qui sont deux compositeurs qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc l'œuvre de Bach, c'est l'ouverture d'une suite anglaise, qui est une pièce assez virtuose, assez dansante, assez positive, disons. Et après, j'ai choisi donc deux préludes de Debussy, extraits du livre Un des préludes. En fait, j'ai eu la chance de travailler les deux livres entiers des préludes avec mon professeur du conservatoire, Michel Béroff, qui a enregistré toute la musique de Debussy. J'ai aussi fait une masterclass avec Aldo Ciccolini sur quelques préludes. Donc voilà, j'aime beaucoup ce répertoire. C'est très intéressant de pouvoir réaliser ce DVD. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir comme ça une équipe de plusieurs personnes, son, image, donc c'est très coûteux, donc c'est une grande chance pour nous. Et c'est très instructif aussi. On doit se préparer en quelques prises, ça doit être parfait, donc il faut bien se préparer. Parce que surtout les pianistes, on est très en fait, isolés dans notre travail, on travaille seul face à l'instrument, si on fait des concerts, on voyage seul, etc. Donc c'est vraiment important de faire de la musique de chambre, de communiquer, de partager la musique avec d'autres instrumentistes. Disons que quand on joue en musique de chambre, on joue seulement une partie de la musique, alors que quand on est en solo, on doit tout jouer. Donc forcément c'est différent, c'est one man show d'un bout à l'autre. C'est pas le même type de préparation, de travail. Il y a aussi le côté par cœur en fait. Donc en piano, les récitals se font par cœur, un autre type de préparation.